Et salut à tous, c'est Kyomarek, bienvenue, on se retrouve sur Skyrim pour la suite de nos aventures. On était dans une putain de mine. Alors, on va laisser passer le petit chargement. Je vais en profiter pour vous raconter 2-3 trucs bien sympas qui m'arrivent en ce moment. Effectivement, vous avez bien remarqué, j'avais un gros retard de vidéo, j'ai pas pu vous en faire, on va dire, dans la foulée. Alors, dans le courant de la semaine, alors je vais mettre pause. Mais dans le courant de la semaine, j'ai eu énormément de soucis. Alors, enfin, soucis plus ou moins. Mais j'ai eu une semaine super chargée où le 22 et le 23, j'ai été en fait sur un tournage de l'association Studios. Où on a fait en fait un petit fan film médiéval fantastique. Ça s'est super bien passé, on s'est super bien marré. Puis en fait, le week-end qui arrivait, je devais me préparer à aller à un Grandeur Nature. Donc, le Grandeur Nature, pour ceux qui connaissent. Bah, c'est incarner un personnage totalement, on va dire, what the fuck, hein, c'est ce que j'étais actuellement. Mais en gros, j'étais personnage non joueur à Ilanga, donc c'est les chroniques d'Ilanga. Je vous mettrai le lien des chroniques d'Ilanga, c'est sur Facebook hein, que vous pouvez voir ça et même sur leur site internet. Et donc en fait, j'étais là-bas pendant le week-end, donc je suis parti le vendredi après-midi jusqu'au dimanche soir, j'étais mort, claqué, j'en pouvais plus. Et je suis revenu avec un coude plus ou moins patraque. Hein. J'avais un gros problème au niveau du coude. Alors, c'était galère pour faire la vidéo. Plus, je douillais grave pour pouvoir rentrer. Et donc, forcément, bah, c'était un petit peu problématique. Donc, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de faire énormément de vidéos. J'en ai profité, j'en ai quand même fait quelques-unes avant même, on va dire, le... Bon, comment... J'en ai fait quelques-unes avec Spectro, j'en ai fait une avec moi tout seul sur Conan. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Alors celle de Spectro, vous la verrez un tout petit peu plus tard parce que j'ai pas encore eu le temps de la mettre sur le passage. Alors là, il faut que j'aille par là-bas. Voilà, j'ai pas encore eu le temps de la mettre, ça va venir, vous inquiétez pas. Spectro aura aussi son moment de gloire sur Company of Heroes. Je sais pas si c'était par là, je venais pas de par là moi. Je sais plus. Je sais plus si c'est par là qu'il fallait que j'aille. Je crois. On a récupéré ce qu'on devait. Il me semble qu'on avait fait pas mal de trucs. On était venu de là, nous. Ouah, ça y est, je me suis perdu. Je me suis, mais totalement perdu. Je sais plus si c'est par là qu'on venait. Et c'était de l'autre côté qu'il fallait qu'on aille. Alors, je vais plutôt mettre... La carte. Alors, où est-ce qu'on n'est pas allé? Où est-ce qu'on est allé? Alors, on est déjà allé par là. Et notre but... Il y a cet endroit-là que j'ai pas vu du tout. Qui se situe derrière moi. Donc, cet endroit là-bas, on n'en a rien vu. Mais il y avait des choses à voir, peut-être. Voyons voir. Il me manque des choses. Il me manque des choses. Il y a un passage là. Ah bah oui. Mais ce passage, je l'ai pas pris. Oh, bon sang, je m'en souviens plus. Qu'est-ce que c'est horrible. Je me souviens pas être passé par là. C'est atroce. Je m'en souviens plus. Est-ce que j'étais passé par ici? Est-ce que j'avais... Bah non. J'étais pas passé par là. Je récupère un sort... Donc là, je monte. Ouais, effectivement, j'étais pas passé. Il y a un arc et des flèches. Oh, ça pue du cul. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais bordel. Ah ouais, d'accord, ok, je te vois. Oh, bordel. Tu m'étonnes qu'il y a un arc et des flèches. Je sais plus si c'était... Ouais, c'était celui-là, voilà. Et il m'a fait mal, enfoiré. Raté. Je t'ai eu. Haha. Et là, ça, parchemin boule de feu. Ok. Ça, c'est réglé. Oh, il faut vraiment que je fasse attention. Gemme ordinaire. On est d'accord, on est bien. Hé, hey, les toutous, vous allez me faire ça à chaque vidéo ou vous voulez que je vous mette une patate? Ils sont chiants. Ils me cassent les doigts. Depuis mon retour, c'est bon. C'est plus possible. Je peux pas faire de vidéo sans qu'ils foutent le dawa. Bon, c'est pas grave, c'est toujours marrant. Alors, voyons voir. Donc là, je repasse par là.
Je suis pas passé par ici. Ah, putain. Chiotte alors. Et si je retouche le truc? Putain, ça retire encore. Eh mais c'est des malades. Ah ouais, mais il y en a partout. Mettez-moi ça. Alors, il y a une porte là et il y a un passage ici. Alors, je sais pas vous, mais j'aime bien les petits passages. Oh. Oh. Oh, c'est joli. Oh, c'est pété. Oh, c'est de la bombe. Et il y a un monsieur mort en bas. Oh, c'est joli. Bon, on va pas y aller parce que ça risque d'être un petit peu tendu du poil du fion. On va sauter. Voilà. Ah! Génial. Ah bah c'est super. Je crois que je vais pas avoir le choix. Alors, toi, tu vas venir là. Mais... Oh! Alors, voilà. Souci, c'est maintenant il faut que je me mette bien. Ah, mais t'es sérieux, camarade? Voilà. Ça veut dire, mon cher ami, que tu vas devoir obligatoirement passer par là. Ouais. C'est pas haut. Il y a une porte. Faut que je fasse gaffe quand même. Ok. Là, il y a une rivière. Alors, je vais déjà voir le cadavre. Ok. Il y a des Milius. Je sais pas qui c'est, mais il est là. Il y a un drogueur. Ceci, merci beaucoup. Alors Milius, je sais pas qui c'était. Gratian Cerelius. On voit une décharge d'énergie à chaque attaque puissante. Wow! Mais elle est magnifique cette épée! Elle est jolie comme tout! Journal de Gratian. J'ai reçu une lettre de la compagnie de l'Empire Oriental. Apparemment, des mineurs du puits numéro 3 de la mine de Corberock ont découvert des ruines en traversant une paroi. J'espère que je ne vais pas encore perdre mon temps, comme quand ils m'ont envoyé en Cyrodiil. Je dois prévenir mon assistant Milius et mettre le cap sur Corberock au point du jour. Je serai heureux de revoir ma vieille maison à Solstheim. Je suis enfin arrivé à Corberock. Maintenant, on va voir s'il y a beaucoup de... Il y a énormément... Après avoir exploré la grande salle au fond du puits, j'ai eu surpris de trouver l'arme de la plus étrange que l'on puisse imaginer, trônant sagement sur une sorte de piédestal. La lame ne présente aucun défaut et semble émettre une faible lueur glacée. Des fragments de parchemin éparpillés dans la salle la nomment la lame des Skalsang. J'hésite à la retirer de suite, je crois qu'un peu de sommeil me portera conseil. Il a fait un joli croquis quand même. J'ai décidé d'abandonner toute prudence et de retirer la lame. Ce sont des amis s'y opposent radicalement, mais nous ne pouvons plus quitter le tertre en laissant ce merveilleux artefact derrière nous. J'aurais dû écouter Milius, les drogues sont passées à l'attaque, sitôt la lame soulevée de son soc. Milius les a vaillamment combattus, mais il a fini par s'effondrer. J'ai réussi à achever les derniers survivants, mais je suis gravement blessé, je tiens à peine debout. Ma seule chance de survivre est de trouver une sortie, mais j'ai bien peur d'être pris au piège. Je progresse lentement, je ne peux pas marcher plus de quelques minutes sans me reposer, mes provisions s'épuisent et je m'affaiblis d'heure en heure. J'ai néanmoins découvert une étrange porte, couverte d'inscriptions inconnues, leur signification m'échappe et la porte résiste à toutes mes tentatives d'ouverture. Je dois poursuivre mes recherches pour avoir une chance d'aller plus loin, mais j'ai du mal à rester éveillé. Je suis pratiquement certain que je dois utiliser la lame pour ouvrir cette porte. J'ai remarqué qu'un ruban d'énergie mystique s'échappe de l'arme lorsque je la brandis. En l'agitant dans différentes directions, je devrais pouvoir manipuler le ruban et résoudre les lignes de cette porte. J'espère me rétablir rapidement pour vérifier cette théorie. Chaque mouvement me coûte un effort considérable. Dernière note. J'ai perdu toute notion du temps, mes forces m'abandonnent, je ne peux même plus tenir debout. Mes blessures refusent de guérir, j'ai bien peur que cette tombe soit destinée à devenir ma dernière demeure. Si vous trouvez ce journal, envoyez ces notes à mes supérieurs de la compagnie orientale et dites à ma femme que je l'aime. Puisse Arke me guider vers le repos éternel. D'accord. Pauvre de toi, mon cher
camarade. D'accord. Tout ça. Alors, il y a encore des drogueurs. On va prendre ce qu'on peut. Il y a un passage juste là. C'est... Ah non, putain, c'est fermé. Ok. Ok, d'accord. Donc, alors, mal... Ouais, mais attends, je vais être obligé d'utiliser la lame, c'est ça? Oh, oh, c'est pas cool. Ah, c'est pas cool du tout. En gros, je suis obligé d'utiliser l'épée. Donc, je vais devoir... Ah non, c'est pas cool. Ah non. Bah en fait, là, ça m'énerve parce qu'en fait, je vais devoir utiliser l'épée alors que j'ai décidé depuis le début du jeu de ne pas utiliser d'armes. Bon, tu me diras, là, c'est pas contre des ennemis. Ouais, bon. J'ai pas vraiment le choix si on veut avancer. Là, pour le coup, c'est chiant. Vraiment, ce sera la seule fois où j'utiliserai une arme pareille. Elle est magnifique, hein. J'ai rien à redire là-dessus, mais ça me fait un peu chier. Est-ce que je fais... Ok. Ouah, mais c'est trop pété! Oh, les deux d'un coup. Bingo Makai. Et... Oh yes. Bon allez, je reprends mes fameux pouvoirs. J'espère que je me suis pas gouré. Je me suis pas gouré, ok. 3, 1, 2, 3, merci. Hop. Putain, mais arrêtez de vous activer. Heureusement, c'est pas trop tendu, quoi. Ah! Bon, il y a un moment où ça... Ah! Oh, putain! Bande de salauds. Ok, on arrive à la fin, j'imagine, vu comment la salle se présente. Mais ça pue du cul quand même. Il n'y a pas de tombeau drogueur. Oh, il y a un prêtre dragon. Ah, fais chier. C'est quoi ce truc? Ouf, enfoiré. Ouh, lolololo, ouh, il va faire mal. Ok. D'accord. Je me suis fait Ouned. Non! Et il m'a défoncé le trou de balle. Il m'a défoncé en 2-2, l'enfoiré. C'était un truc de dingue. Bon, le joueur, on s'en fout. Mais il m'a explosé le fion. C'était un truc de fou. Culé. Ah, j'ai vraiment pas de résistance à la... Ah, mais j'ai... C'est pas possible! Prends-toi les coups à ma place, ça serait cool. Allez, tire. Yes, je l'ai eu. Putain, n'empêche, il m'a déglingué! Mais mon arc a fait. Il fait merveille avec les invocations adverses. Et là, franchement, il m'a foncé la gueule, quoi. Bon, ce qu'il y avait dans le coffre, c'était pas fameux, c'est pas grave. On va tout de suite aller en bas. Hop, hop. On va récupérer la lame et le journal. Hop, journal, nickel. On récupère les potions. Potions de filtre de récupération. D'accord, donc, sacoche. Ouais, ok. Je reprends objet, je reprends arme, je reprends ça. Putain, il est direct dedans, tu sais.
C'est limite. Ah, mais tu l'as déjà fait au fait. Hein. Et ça. Mais non, c'est pas ça. Voilà. Merde, j'ai plus de vigueur, forcément. Ça a moins bien marché. Mince, j'en ai raté un. Allez. Voilà. Ça, c'est bon. Ah merde, j'ai encore oublié. Pff, oh, il y avait celui-là à faire. Et ouais, hop là. Hop là. Fait. Facile. Facile. Ah bah. Là aussi c'est facile. Ok. On est parfait. Je vais faire une petite sauvegarde. Voilà, on recommencera ici. Et je vais d'abord invoquer lui. Il est où? J'ai fait une grosse boulette là. Ah ouais, c'est pas ce que je voulais. Voilà. Allez copains, c'est parti. Donc ta face, enfoiré. Y'a quoi là-dedans? Y'a deux pièces d'or quoi! Genre de gros. Tiens, voilà du floc. Allez, oh, raté! Mais putain, il fait mal le con! Il fait hyper mal! Bah, allez, va l'affronter toi là, au lieu de rester là, pigeon! Ah, bordel! Mais il me fait extrêmement mal, c'est un truc de fou! Hein. Oh là 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 là! Cette douleur! Allez, soin. Putain, la vache. Ah ouais, il m'a allumé, quoi. Ce qui m'embête, c'est... faudrait vraiment que je prenne moyenne barrière pour me défendre. Je vais prendre... boule de feu d'un autre côté. Mais ça va trop me bouffer. Ouais, plus ou moins, quoi. Ouais, ça va me bouffer tarif. Hein. Oh, il l'a défoncé. Oh, comment ça m'a bien protégé. Ah ouais, mais il... Le problème, c'est qu'il va me mettre tarif. Et j'aurais pas le temps de lui remettre son... Ah, j'ai pas le temps de lui remettre un coup, est-ce enculé. Aïe, coléreux. Touche-toi le fion, va lui mettre sa race. Mais bordel de... Tiens! Ça lui fait rien ou j'ai rêvé là? Eh mais ça lui fait zéro dégâts! Eh ça lui fait zéro dégâts, mes boules de feu lui font rien du tout! Allez mon coléreux, eh franchement tu peux le faire! Oh non! Cette violence en fait, ma boule de feu lui fait absolument rien! Putain, mais comment tu veux que je fasse ça? Faut peut-être que je l'attaque à distance, ce sera peut-être plus simple. Je vais partir sur ça plutôt. Et je vais essayer de me défendre au mieux. Alors, attendez, je vais pas faire comme ça. Je vais faire une conjuration d'Atronac par là. Et un bouclier quand même, une moindre barrière. Ah, parce que là, il va m'éclater sinon, hein. Il va franchement m'éclater. Ouais, en fait, il se met toujours à distance. Donc, autant utiliser un Atronach à distance. Voilà, qui va lui mettre le feu au cul. Et ça marche même pas, je crois, le feu sur lui. Il est protégé contre le feu, le con! Mais matez-moi l'engin, mais c'est pas possible! Je vais mourir! Je vais claquer comme une grosse merde. Ah putain, attends, peut-être qu'un conjureur, un brumeux, c'est un brumeux, ouais, c'est un brumeux. Peut-être qu'un brumeux va m'aider. Les brumeux, c'est des... C'est des sorties... Ah,
bordel. Il va me mettre cher. Mais c'est un truc de dingue. Envoie-lui tes sorts, là. Il est coincé, shoot-le. Oh ouais, mais ça lui fait que dalle. Oh là 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 là. Ah merde, j'ai carrément oublié un truc aussi, tiens. Système, paramètres, jouabilité. J'ai carrément oublié de mettre... Alors, faut pas déconner, je vais quand même monter au niveau expert. Parce que, en effet, ça faisait... On me l'a dit, et je l'ai dit assez souvent, mais c'est pas assez difficile. Et là, franchement, je commence à douiller. Faut que je monte un petit peu la difficulté, sinon ça va être trop facile. Ah ouais, mais non, mais les conjurations ne font absolument rien. Il faut que je me bouge le cul. Y a que lui qui envoie assez de pâté. Peut-être que si je mets corps de fer... Alors déjà, corps de fer. Voilà. Je vais passer en... Fuc. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Si je fais ralenti, ça peut peut-être m'aider. Peut-être qu'une... Je vais tester la tempête de glace. Ouais. Ça a l'air de marcher plus ou moins. La glace a l'air de faire son effet. Quoique... Il se défend bien, enfoiré. Ah, ça lui fait rien. Ça lui fait absolument rien. Bon, ça le ralentit pas plus que ça, mais... Il va me massacrer. Il va me massacrer. Oh, bordel de merde. Oh, il m'a défoncé le culé. Oh là 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 là, ma pauvre magie, qu'est-ce que tu prends cher? Non mais ce combat, il va être extrême, quoi. Alors, il me faut autre chose, je vais lui balancer un souffle glacé, peut-être. Tempête de glace, ça va pas aider. Éclair foudroyant, éclair multiple. On va tenter, hein. Vas-y, mais... Fouhou ! Youhou ! C'est pas ça. Ça marche pas ! Ça marche pas ! Elle fait pas d'effet, hein. Allez, avant qu'il me pète la gueule, franchement, vous abusez. Va le chercher, allez. Go lui démonter la tête. Tu y vas. Putain, mais il va m'éclater le con. Ça lui fait absolument rien. Cette violence. C'est super dur. Franchement, c'est super dur. Mon coléreux, il prend cher. Et l'autre, puis il est vraiment abusé. Mais va sur lui, défonce-le, bordel de merde. Oh là là, mon coléreux prend tellement cher. Eh, mais c'est un truc de dingue. Je prends tarif là, les gens. Je prends tarif. Le mec, je suis même pas à la moitié de sa vie, quoi. Qui me met déjà méchant. Oh putain, mais c'est pas possible.
Copain, allez, va le chercher là, va le chercher, va le chercher. Oh bordel, je vais me faire allumer. Il va me défoncer, hein. Il va me défoncer. Ouais. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Allez. Je peux lui tirer toutes mes flèches dans son cul. Allez, arrête de bouger. Oh putain, j'y arrive. Oh putain, je peux y arriver. Oh, fo. Chiotte. J'entends carrément les sorts exploser d'ici, quoi. Encore touché. Oh, attention. Merde, c'est pas ça que je voulais. Allez, je peux le faire. On reste bien en conjus. Et... ils ont une puissance infernale, ces prêtres dragons. Ils sont vraiment très puissants. Mais ils ne passent pas derrière moi, je veux pas mourir, moi. Oh bordel! Comme il me fait super mal, l'enfoiré. Est-ce que j'ai encore la bénédiction de Hist? Ah, je l'ai pas remise, la bénédiction de Hist. Je vais cacher l'utiliser dans mes. Sur ma magie. Pouvoir. Voilà. Bénédiction de Hist. Très pratique. Allez. Je suis pas loin de le tuer. Je suis pas loin de lui. Mais t'arrives. Oh putain. Allez, mon petit coléreux là. Tu peux le faire, bordel. Te laisse pas faire. Oh, ce beau tir que je viens de faire. Allez. Oh, putain, il va me mettre. Oh, ouah, mais c'est une lamine. La bénédiction de Lys va vraiment m'aider là, pour le coup. Non, putain. Ah, j'avais la bénédiction de Lys qui était enclenchée, mais sérieux. Non. Oh putain, les enfoirés, quoi. Oh bordel, j'étais tellement bien parti. Mais tellement bien parti. Ah, c'était pas ça que je voulais. Merde, mais c'est pas ça que je voulais. Hop. Tiens, t'arrives. Invoque ton machin, tu vas voir, je vais défoncer. Oh là là. Allez, mais qu'est-ce que t'attends? Wouhou! Mais c'est un truc de... Il est con. Je suis dans ton dos. Oh, il a un super masque, j'adore. Allez, fume-le. Mets vite tarif. On est bien. Je vais pas le laisser partir. Je vais mettre un deuxième coléreux d'emblée. Voilà. Ça y part pas. On l'enchaîne. Oups. Allez. On va pas s'en sortir vivant là. J'enchaîne. Je coince toujours avec mon coléreux. Il faut que je coince. Allez, tu bouges pas.
Je te mets des flèches dans ton cul. Ça devrait le faire. Allez. Putain, je suis revenu. Je suis bien revenu en plus, hein, c'est ça le pire. Je suis super bien revenu là pour un début de combat. Allez. Allez mon petit coléreux, tu peux le faire là. Pourquoi j'arrive pas à l'avoir là? Ah, pourquoi je bouge à chaque fois? J'ai trop l'habitude de bouger quand je fais mes tirs pour éviter les autres en fait. Oh putain, il a invoqué un deuxième. Avec toi, tu disparais. Et c'est entre lui et moi maintenant. Ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, j'ai failli le prendre. Oh, il était sévère, hein, il était sévère. Raté. Allez, t'es mort, là, t'es mort, t'es mort. Oh, putain, j'espère qu'il y aura un ralenti sur cette belle action. C'est pour la... c'est pour moi, c'est pour moi. Non, c'est pas pour moi. Allez. Yes, il n'y aura même pas de ralenti sur cette magnifique action que je viens de faire. Dommage. Mais en tout cas, on a réussi à lui mettre misère. Oh là là, tas de cendres. Augmente la résistance à la foudre de 50% et les dégâts des sorts de foudre de 25%. Tu m'étonnes qu'il me faisait mal au fion. Quand vous voyez son masque, le mec, il pouvait mettre tarif, sérieux. La résistance à la foudre de 50%. Et les sorts de foudre 25 fois. Eh, franchement. Ah non, je suis trop lourd. C'est pas cool. Qu'est-ce que j'ai de trop? Oh, tu me diras, j'ai un truc avec un poids à 16. J'ai une pioche. J'ai une pioche nordique. Une épée nordique. Hey, ah, ils sont chiants ces deux-là. Une épée d'ébony. Putain, elle me coûte cher en plus. C'est chiant. Non, franchement, les mecs, vous abusez. Putain, j'ai du poids là. Mais qu'est-ce qui me pèse méga lourd? Voilà, ça c'est normal. Ah non, mais les gens, franchement. Il est magnifique ce casque, je peux pas le jeter. Toi, je te garde aussi. Mettez-moi ça, il y a tellement de trucs en fait. J'ai pas envie de les jeter parce que je sais que c'est. Ah, j'ai mort, ok. Régénération magique puissante et. Et de guérison. Putain, j'aurais dû remettre mort, ok, à ce moment-là en fait. Et. Zari. Divers, qu'est-ce que j'ai en divers? Ça c'est pas la peine. Les cœurs de pierre, elles sont magnifiques. Franchement, j'aime bien l'item. Ça a une belle gueule. Les crochets, ça n'a pas de poids. Ça, ça commence à avoir du poids. La lanterne qui me sert strictement à rien. Minerai, ça on les garde. Une poupée d'enfant, une seule me suffira. Hein. Sphère d'harmonie, je peux te garder ça, je vais garder. Qu'est-ce que je peux encore jeter qui ne me... Ça, je peux l'enlever, guide du bel intérieur, on s'en fiche. Livre inconnu. Ça, il faut que je les garde. Ça, c'est trop lourd. Pour un moment que je les jarte parce que ça va plus le faire. Et ouais, non, l'arc de verre. Franchement, il y a des trucs qui se vendent super cher, ça je vais l'enlever. Pour moi, j'aurai encore un tout petit peu de place. Et je vais pouvoir avoir un super pouvoir de la mort qui tue. Aspect draconique. Oh. Transformation en dragon. Ok, ceci étant fait, et putain il m'a fait peur le guignol, ceci étant fait, je vois pas de sortie, à mon avis on va devoir se retaper tout le trajet, alors ça fait, j'ai dit que j'allais quand même faire des vidéos un tout petit peu plus courtes, pour éviter qu'on soit embêté. Alors là franchement pour la fin de ce petit donjon, on a bien géré, ah bah, voilà, là il y a une sortie, qu'est-ce que c'est, un livre noir. Valeur 2000 pièces d'or. Oh. Oh. C'est bon ça. Ah mais c'était la grille qui était fermée juste avant.
Ok. 2000, je prends. What? What? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah mais... Oh putain le con, j'ai carrément oublié. Les livres noirs, c'est les bouquins dont vous me... On connaît. L'Ogma Infinium n'était que le début. Voici Apocrypha, la somme de toutes les connaissances. Venez étancher votre soif de connaissances dans les rayonnages infinis de ma bibliothèque. Si vous en avez assez de chercher, relisez votre livre pour reprendre votre vie normale. Jusqu'à ce qu'Apocrypha vous appelle de nouveau. Car tel est votre destin. D'accord. Livre noir, l'heure du changement. Eh ben... On va s'arrêter là, voilà. Oh, c'est salaud. Le livre noir. Vous m'aviez parlé justement de ces fameux livres avec Armaeus Mora. Que ces livres, il fallait que je les trouve parce qu'à l'intérieur, il y avait des capacités ou des trucs super intéressants à voir. Là, effectivement... Alors, il est bien votre bouquin, mais il m'a l'air un peu glauque. Donc, on va voir ça franchement en lisant le livre. Voilà. L'heure du jour, soudain rejoint l'Apocrypha, le royaume d'Hermarus Mora. Je devrais essayer de découvrir le savoir qui se cache ici, ou bien relire le livre pour quitter cet endroit. Alors, c'est plutôt pas mal, ça a l'air sympathique, mais je sens les couilles arriver. Je sens qu'il y a un truc qui va se passer qui fait que je vais claquer très vite. Surtout que là, j'ai monté la difficulté en expert. J'aurais carrément dû la mettre en légendaire, comme ça on était sûr de mourir. Je crois qu'au prochain, c'est ce qu'on va faire. On va passer en mode légendaire, histoire que ce soit vraiment, vraiment difficile. Parce que c'est vrai qu'on en a marre des monstres que l'on peut one-shot sans problème. Il faut un petit peu de challenge, un peu plus de challenge dans ce qu'on est en train de faire. Là, on est à l'épisode 50. Comme il le dit, c'est l'heure du changement. Et l'heure du changement, c'est maintenant. Donc on passera donc sur une difficulté supérieure, parce que l'expert, j'ai pas l'impression que ce soit non plus le must, malgré qu'on se soit vraiment fait exploser à cause des sorts. Mais comme on l'a vu, 25%, c'est un boss, hein, le mec c'est un boss, il avait 25% de dégâts supplémentaires avec la foudre, ce qui fait que c'était normal que je me fasse dégommer avec lui. Donc voilà, on fera un truc comme ça. Je penserai franchement à augmenter mon enchantement pour me sortir un peu les doigts du fion. Me protéger un maximum contre la magie et ces trucs là, sinon je vais passer un sale moment. Comme dit, il y avait beaucoup de conseils que vous m'aviez donné en commentaire à ce niveau. Il faut vraiment que je monte l'enchantement, que je monte l'alchimie, que je monte mes compétences, en somme que je monte vraiment mes compétences, histoire d'avoir de pas être à la ramasse au niveau magie, parce que la magie inclut également l'enchantement. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu, ce petit affrontement avec ce fameux boss de donjon. Là, la prochaine étape, ce sera donc ce fameux livre en mode légendaire. Je vais d'ailleurs faire quelque chose, et d'ailleurs avant, on ira, donc c'est dans système, paramètres, jouabilité, on le met tout de suite en légendaire, puis une fois que c'est fait, voilà, on va sur... sauvegarde, voilà, on refait une sauvegarde comme ça, on est sûr. Voilà, on est en légendaire, c'est réglé, on bouge plus. Et on sera parti pour cette super aventure. J'espère en tout cas que vous serez nombreux pour la prochaine. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un petit j'aime, partager la vidéo, ça me fera énormément plaisir. Et surtout, n'hésitez pas, un bon retour, c'est un bon retour, une critique, ça me fera toujours plaisir et ça me fera avancer dans ce que je peux vous proposer. Voilà, sur ce, à tout le monde, et je vous souhaite à tous de très bons jeux. Ciao !